l'Égypte et elle me propose un report de 12 mois et non pas 18 parce que le tour opérateur est belge. Est-ce qu'elle en a le droit, la durée des avoirs, quel est le droit qui s'applique là où on a signé, là où on habite, c'est quoi? Alors, a priori, à première vue, même si effectivement il faudrait étudier en détail le dossier, mais à première vue, je vois pas de raison pour laquelle on n'appliquerait pas la loi française. Si c'est un consommateur français qui a acheté son séjour auprès d'une agence de voyage française, c'est donc la loi française qui doit s'appliquer. Peu importe que, in fine, le voyage soit organisé par un tour opérateur belge, c'est la loi française qui doit s'appliquer. Donc là encore, on explique par écrit, en recommandé de préférence à l'agence, quelle est la règle qui doit s'appliquer, donc un avoir de 18 mois, un avoir valable 18 mois. Et si on a vraiment des difficultés à le faire appliquer, dans un deuxième temps, on pourra saisir le médiateur du tourisme et des voyages.